Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 115 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Zombie Driver HD. Zombie Driver HD qui est un petit jeu, comment je pourrais le définir? Plutôt fun. Il est pas très lourd, il est fun. Bah vous voyez, il y a mon zombie dedans, donc on va tuer du zombie et on va conduire une voiture puisqu'on le voit là maintenant. Donc on fait une nouvelle partie et je vous laisse peut-être l'introduction. Donc ce jeu se joue sous forme de mission. Bon là, le langage n'est pas en français, mais les écritures si. Sous forme de mission, donc c'est sauver des gens contre les zombies en contrôlant une petite voiture, un taxi là pour la peine. Donc là on a les touches, on a la mise en situation. Donc il nous explique. Je sais plus. Bon, c'est un peu de la merde ce qu'il nous explique. Si vous éclatez à lire tout ce qui a marqué. Moi, je préfère jouer. Et je peux pas passer, donc là, ça se dirige vers mon taxi, où l'on va commencer. Allez. Ah, bah non, c'était même pas vers mon taxi. Alors, voilà, ma voiture, elle est là. Donc, comment je contrôle ma voiture? Est-ce que je peux la contrôler? Voilà. Donc, je joue avec les flèches. Et ça se joue normalement avec la souris. Pour tirer. Donc là, ce que je viens de ramasser, c'était un machin de réparation, mais ça sert à rien parce que là, pour l'instant, notre voiture va très bien. Vous voyez les petits zombies, on en a croisé là. Et donc là, pour ça, on a une mission là pour l'instant. On doit se rendre là où c'est que ça clignote là-bas. Le petit machin. Donc on peut détruire un peu tout ce qu'on veut. Bon, sauf les barrières de sécurité. On peut taper un peu voilà, les caisses, défoncer tout, pas les immeubles. C'est un peu la merde au niveau du contrôle, mais c'est pas fait pour. Normalement, on n'est pas censé être bloqué dans des recoins comme ça. Là, je gagne un peu d'argent, ça me permettra d'acheter des trucs plus tard. Alors. Je défonce des bagnoles, mais si je fais beaucoup de dégâts aussi, ça m'en fait à moi. Alors là, mise en situation. Donc, ça, c'est le maire. Le maire qui est coincé dans sa voiture, qui ne démarre pas. Et qui est entouré de zombies, les zombies que vous voyez qui sont entourés en rouge. C'est-à-dire que pour réussir cette mission, il va falloir sauver le maire. Là, il nous dit qu'il a ouvert notre entrepôt, son entrepôt, où c'est qu'il y a plein d'armes. Et on va pouvoir s'en servir pour lui sauver la vie. Donc voilà, alors là, hop, on se rend compte déjà. Ouh là là, ça commence à être compliqué. Tous les zombies viennent sur moi quand je suis là. Et sinon. Il détruit la voiture du maire qu'il faut que je sauve. Donc vous voyez, hop, avec le clic, je tire. Donc je détruis un maximum de zombies. Hop, je répare ma voiture aussi. Donc ce petit bonus là qu'on voit là, hop, ils réapparaissent de temps en temps. Hop. Et il y a des armes différentes. Il y en a au moins 3. Hop là, vous voyez cette arme là, pouf, 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 et pouf. On fait un gros ménage de zombies, c'est pas mal. Ça va aller très vite pour cette mission. Hop, on récupère encore un peu de munitions parce que bah, ça part vite. Allez, hop, 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 hop. Pensez à réparer ma voiture à l'occasion. Hop là. Donc là, ça va, c'est pas difficile, hein, franchement. C'est le premier niveau, je pense aussi. C'est pas dur. Hop là, il y a toujours des zombies. Plus on en tue, plus il y en a. Mais il y a un moment où il n'y en aura plus, évidemment. Donc c'est à ces moments-là qu'on aura fini le niveau. Donc on voit ma vie qui ouf. Alors ça doit être la voiture du maire qui est en haut à droite, c'est la voiture du maire je pense. Et ma vie est en bas autour de la carte en vert. Je pense que oui, ça c'est ma vie je pense. On a aussi notre argent en bas à gauche. La voiture du maire pour l'instant elle a encore pas mal de PV, on va dire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout les zombies rouges, hein. Les autres zombies on s'en fout. S'ils sont pas entourés de rouge, c'est que c'est pas pour moi.
Alors faudrait que j'arrive à tous les tuer. Là il n'y en a plus tellement donc il faut surtout que je sois précis. Parce que cette voiture c'est absolument impossible à contrôler, c'est de la merde. Alors c'est peut-être moi qui suis pas l'habitude de contrôler des voitures aussi de haut comme ça. Allez. Allez, et il y a un zombie là, c'est le dernier. Ah non, il y en a encore un à gauche là. Il y en a deux. Et celui-là. Et ah putain, il y en a encore deux. Voilà. Ah donc on a sauvé le maire. Génial, donc c'est un hélicoptère qui descend. Mow down as many as you can, son. I'll personally pay you a bonus for every single one of them. And do it this style. Ouais, donc là je pourrais continuer à m'amuser à tuer des zombies, mais ouais, on va faire un peu le tour comme ça vite fait. On va essayer de retourner au point de notre point de départ tout à l'heure, pour pouvoir en fait finir le niveau vraiment en fait, pour retourner garage ou je ne sais pas trop encore. Hop, hop, je sais pas vraiment où ça nous emmène. Il y a des zombies un peu partout. Le maire nous a dit que de toute façon il s'est doublé les points qu'on faisait hein, parce qu'on l'avait sauvé, c'est une sorte de. Une sorte d'événement quoi. On peut remarquer qu'on a détruit tous les poteaux que je croise. Voilà, c'est super. On a un taxi qui est vachement résistant quand même. Youh, tous ces zombies. Et plus on en tue et plus il y en a. Hop là, ça répare et normalement on était là. Voilà, on est arrivé ici. Ah merde. Il faut que je reste sur le cercle. Voilà, voilà. Niveau terminé. Donc ça va revenir au menu. À statistiques. Les zombies que j'ai tués, les récompenses que j'ai gagnées. Voilà. Objectif secondaire inaccompli. Alors. Ouais, ça... Ah mais ça repart direct. Ah non, voilà. Donc je peux choisir ma voiture. Je peux avoir des améliorations sur les armes. Bah on va prendre celle-là, voilà. Celle-là aussi, bon bah voilà. De toute façon, il y avait que ça qu'on pouvait prendre pour l'instant. Peut-être que c'est une histoire d'argent. Hop. Alors, prochaine mission. Il faut qu'on aille sauver. Faut qu'on aille aux deux points. Donc ça va être encore tuer des zombies, ça c'est sûr. Mais alors où? Et comment? Il me jette des trucs sur la tronche. Super sympa. Ah donc là il y en avait. Merde, je les ai vus un peu tard. On va aller à l'autre. L'autre qui est plus loin, comme ça quand on reviendra, ça sera un peu plus court pour revenir. De toute façon, faut faire les deux. Donc là vous voyez tous les zombies rouges, hein. Faut les démonter. Et faut aller sauver les gens qui sont dans la voiture, dans la maison. Et pour faire ça, bah il faut déjà tuer tous les zombies. Bah, je pense. Parce que là, vous voyez, donc il y a un cercle au sol, mais regardez, attendez, là-bas on le voit, un cercle au sol, mais il est absolument pas vert. Et donc je pense que ça va pas marcher si je m'arrête dessus. Il faut déjà que je tue les zombies. Allez, allez. Comme je vous dis, c'est un peu la mouise à contrôler, mais c'est pas grave, on s'y fait. Voilà. Ah voilà, le cercle est vert, je m'arrête dessus. Je récupère, normalement, voilà, ceux-là. Qui viennent, ouais. Ils sont étonnés que ce soit un taxi qui vienne les chercher. Et on va aller faire pareil pour l'autre maison. Alors, où c'est qu'elle est? Là, je pourrais pas traverser là-dessus. Est-ce que je peux prendre sa voiture? Non, pas pour l'instant. Parce qu'il nous a dit qu'il nous donnait sa voiture, mais en fait, je pense que ça doit être dans le menu du jeu, après on l'aura. Il y a des zombies de partout. Merde, je me suis trompé, il fallait que j'aille là-bas. Il faut que je aille à la deuxième maison. Mais j'ai pas tellement envie de faire demi-tour vu tous les zombies que j'ai croisés. Allez. Ah, je vous jure, c'est impossible à contrôler un truc comme ça. Ah là, vous devenez fou. Et je voulais passer à travers mais on peut pas. Allez, voilà, ça là je peux. Ah voilà. Ils sont ici mes zombies. Et ils me foncent très vite dessus d'ailleurs.
Allez. Il me faudrait une arme, s'il vous plaît. Là-bas, il y en a une. Tac, 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 tac. Hop, tous ceux qui sont là, j'en profite pour les écraser à fond. Hop, 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 hop. Ah, il faudrait que je répare ma voiture, ce serait plutôt pas mal. Hop, on va aller la réparer. Hop là, magnifique, elle est toute neuve. Et en plus, on a des armes, des munitions. Hop, hop. Allez. Hop. Et il en manque un. Et voilà, c'est vert. Arrête-toi sur la cible. Voilà. On récupère les deux. Just kidding, man. Thanks for the rescue. Allez. Et on retourne au dépôt, au garage comme tout à l'heure. Alors, il est là-bas. Tiens, il y a des zombies encore partout. Comment je fais là? Voilà. Hop. Hop. Pour partir bien à point. Ah bah de toute façon c'était là. Et voilà. On les a ramenés. Donc les mecs ils sortent. Tac 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 tac. Ça me rapporte un peu de thunes. Mission accomplie. Retour au menu. Les statistiques de la mission. Le nombre de zombies qu'on a tué. Qu'est-ce qu'on a gagné. Comme tout à l'heure, on pourrait continuer à faire l'autre mission. Cette fois-ci on a une nouvelle voiture, la voiture de sport. Et on peut améliorer ça. Non, j'ai pas assez d'argent sûrement. Et donc voilà. Donc on va pas aller plus loin. Donc vous avez vu un peu le gameplay, un peu comment ça joue, même si c'est un peu la merde au niveau du contrôle. Ah, donc ce sera tout pour Zombie Driver HD. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.